présenté le projet de jeu Boudoudin. Bon, pour nos review, la version alpha, on espère qu'elle sera délivrée à la prochaine STD 2016. Le progrès qu'on a arrivé à, c'est la conception d'idées et la formulaire de cahier charge technique. Pour le Pegasus, on va focaliser sur l'effort de maintenance et de gestion de code source. Sera contribué par la communauté et vous-même si vous voulez nous aider dans ce projet. Bon. Pour les problèmes, ces problèmes qu'on a également lancé le projet Boudoudin. Le problème c'est que certainement vous connaissez que les geeks sont généralement timides et qui ne préfèrent pas se présenter dans les événements sociaux. Chez ces deux. Donc il y a un manque de communication sociale et tout. Donc le deuxième point c'est la majorité des gens trouvent des difficultés avec les choses de vous, des technologies de vous. Donc la majorité ont peur de ce qu'on appelle Linux, ont peur d'utiliser quelque chose de nouveau comme le logiciel libre, le logiciel libre. Et le Linux Ubuntu, ils ont peur même d'installer et le CD parce qu'ils connaissent que ce qu'ils ont déjà. Pour le troisième point, c'est il y a certainement trop peu qui connaissent et qui ne connaissent pas s'il y a leurs voisins ou leurs amis qui sont des fans de Linux et ou fans des logiciels libres, qui sont eux-mêmes. Par exemple, j'avais des amis, même dans mon quartier, qui sont en train de Linux, mais je ne les connais pas parce qu'on n'avait pas une place à se rencontrer. Même à Esprit, je ne connais pas des gens qui sont fans à Esprit, de chez Libre et tout, sauf à l'occasion que je suis invité à SMD pour participer pour la deuxième fois. Donc j'ai rencontré les clubs de l'Esprit Libre. Donc pour le quatrième point, c'est la majorité des peuples ne connaissent pas si dans leur région il y a un événement libre. Par exemple, si dans votre village, votre town, il y a un événement libre et tu ne le connaissais pas, tu le rates. Mais avec ce projet, on espère que le problème se résout. Bon. Pour ce problème, on a pensé vraiment à une solution, on a trouvé le concept Boudoudin qui essaye d'englober la solution pour tous ces problèmes. C'est quoi Boudoudin exactement? C'est un jeu multiplayer en ligne et RPG. C'est quoi RPG? C'est un jeu dans le jeu. Il est peu sur la toile, ça marche sur tous les OS, Linux par défaut. Et les autres OS comme Windows et OS X. Pourquoi? Pour attirer les autres utilisateurs qui ne connaissaient pas les OS libres, pour les attirer, pour les connaître c'est quoi les logiciels libres, c'est quoi Linux. Et comme Microsoft attire les fans de Linux en ouvrant le code source des bibliothèques, on invite les fans de Windows et les fans de OS X de chercher à voir c'est quoi le logiciel libre et qui le reste. Bon. Pour la chose exactement, il y aura un Gmail ESC bêté dans le jeu. Les utilisateurs peuvent communiquer dans un chat simple. Il y aura une map ouverte en 2D dont ils peuvent explorer avec les caractères qui auront leur description au jeu. Le caractère sera un tux, mâle ou femelle, un garçon en tux ou un fille tux. Bon, et bien sûr, dans le map, on offre l'opportunité d'explorer la map, d'explorer
les gens, les nouveaux, faire des connaissances, partager des informations, partager des connaissances, promouvoir la philosophie de logiciel libre, essayer de remplacer les social networks propriétaires par des distributeurs, et plus forcément d'essayer de communiquer, d'interconnecter les communautés libres dans un jeu, des îles avec une autre femme. Bon, ce projet est en cours de développement. Le code source est partagé en GitHub, obviously. On va passer. Donc, on a pris vraiment le temps pour choisir une solution vraiment comment créer le jeu avec un outil qui n'est pas trop difficile, mais qui nous laisse vraiment le choix de créer un jeu magnifique. Donc, on vous donne le choix avec la communauté ou les contributeurs. On va pouvoir lancer un questionnaire pour savoir où la tendance va. On a choisi les meilleurs gainages qu'on a trouvé bon. Donc, pour le DTLS, ça marche avec JavaScript, avec licence MIT. Le top qu'on a dit récemment à avoir la licence MIT. Le SUT en C++ avec la licence GPL, ainsi que le Spring MVS en C++ ensemble, aussi et en GPL. Et dernièrement, le Gigantic en Java, c'est vraiment, vraiment facile. Avec les licences PSD. Pour les perspectives, où va-t-on avec le jeu? À l'enregistrement de la version alpha, de la SP6, on espère après lancer, d'améliorer avec un jeu. On change la map de 2D à 3D avec meilleure graphique. On peut intégrer des mini-jeux que les joueurs peuvent jouer ensemble, comme échecs ou dames, ou jeux de cartes, ou même des jeux que les constructeurs vont acheter. On intégrera aussi un système de monétisation dans le jeu. Par exemple, si quelqu'un invite ses amis, il aura des coins. S'il participe à l'event ou il prépare un event dans le jeu, il aura des coins. S'il est de quelqu'un dans le GDRC ou quelqu'un a un problème, il offre une solution. Chaque personne aura le droit de partager, d'envoyer les coins comme il faut. Et finalement, on espère de faire passer, que le caractère soit personnalisable. Le tux sera personnalisable à tout, les cheveux, les yeux. Et tous les poches, les casquettes ou chez chien, pourquoi pas. Bon, c'est le côté pour le jeu. Pour le côté social network, on va essayer d'imiter et pourquoi pas laisser Facebook parrain. Et on veut vraiment donner la liberté aux gens qui aiment le libre à un social network stable, fun. Et sans avoir besoin d'aller à Facebook et Twitter pour les social networks propriétaires. Donc il y aura la possibilité de voir les murs de profil, les événements, l'historique des événements que votre ami a participé. Bien sûr, il y aura des events virtuels dans le jeu. Et le chat avancé avec les émoticônes et les stickers et tout. Bon, pour les questions fréquemment demandées, on vient vraiment demander des questions à des étudiants. La plupart des questions se basaient sur les trucs techniques, comme la première question qu'on a demandé, est-ce que l'application sera cross-platform, j'ai déjà dit, oui, l'application sera cross-platform sur Linux, sur AutoCAD, pourquoi pas, sur Windows, sur Android, sur aussi sur iOS. Pour la deuxième question, pour mobile, est-ce qu'on a besoin d'avoir un smartphone pour avoir le jeu? Non, pas nécessairement. Le jeu sera disponible sur n'importe quel navigateur, Mozilla Firefox ou Chromium. Et l'autre question.
Pour notre troisième question, c'est quoi le valeur ajoutée à interconnecter les gens qui sont de même région? Bon, c'est le but principal du jeu, c'est pour interconnecter les gens qui partagent les mêmes intérêts qui sont dans la région, qui ne se connaissaient pas déjà, partager des connaissances, le savoir de créer une communauté, une petite communauté dans le quartier, de créer une petite communauté dans l'école, par exemple, au lycée. Et pour la quatrième question, si le projet sera partagé sur un post sur GitHub, oui, ça sera partagé sur club-esprit-libre/Ubuntu. Pour la cinquième question, pourquoi la langue Ubuntu Lang, pourquoi autre? On a vraiment étudié le nom, ça pourrait être une légende ou Ibanlang et tout. Mais on a vraiment choisi le titre Ubuntu Lang pour attirer plus de gens qui sont intéressés par le libre, et qui connaissent rien du libre. On vise les débutants, on vise ceux qui veulent savoir c'est quoi le livre. Et on a fait une petite enquête avec les étudiants et les aidés. Et le mot qui occupe le plus, c'est Ubuntu. Il en prend Linux. Il pense automatiquement à Ubuntu, donc on a choisi de nommer Ubuntu. Et ça n'a rien à voir avec Canonical ou ModuloS. Bon, pour la licence, ça serait la GNU Linux, General License. Pour les versions 2 ou 3, on n'a pas vraiment spécifié jusqu'à moment. Pour la septième question, est-ce que l'esprit sera le propriétaire de jeu et est-ce qu'elle aura des profits? Bon, pour la propriété de jeu, ce sera la propriété de l'OID, la propriété des contributeurs. Ce sera libre à modifier, bloquer dans le Git, partager avec vos amis et même soumettre des add-ons. Pour le profit, pour la version alpha, on ne vise pas vraiment à monétiser l'application, mais pour la version bêta de la dernière release, il y a la possibilité de monétisation de l'application avec des publicités ou des game purchases. Mais tout le profit sera dans le sort des dents pour améliorer la communication pour améliorer et aider la communauté libre dans la Tunisie. Et pourquoi si on doit faire un bus, on va se relâcher à l'international. Okay. Donc pour la huitième question, comment on peut faire? Vous pouvez le contacter par mail. C'est esprit-club-libre@esprit.fr ou sur une page Facebook pour le moment, sur le service de Message GitHub ou en personne dans l'instant, ou vous pouvez le visiter dans le club à Esprit Vazel. Pour le schedule démarche de logiciel, le projet a été lancé en 26 septembre 2015, cette année. Le développement sera démarré à partir d'aujourd'hui. La version alpha, on espère qu'elle sera suivie au prochain SFT le mois octobre, je pense. Le mois octobre 2016. Pour la bêta release, ce sera le 20 octobre 2017. Au 13e anniversaire de Linux, et pour la version publique Final Slam, on espère qu'on va faire ça sur le marché le 20 octobre 2019. Et merci beaucoup pour votre temps.
entre le release de la version bêta et...